réconciliation. De la gloire, de là, nous venons de Dieu. De là, nous venons de grâce. Merci, un pile bon retour encore dans Pierre Lacroix. Et donc, nous avons rappelé que ou en direct, qui va suivre ensemble avec nous Rigaud des Sources, qui saute faire un paquet de parcours de ces talents artistiques, ces talents de chanteur, aussi de chanteur, de compositeur et tout ça. Mais qu'on y a là, c'est une autre phase. Et nous avons présenté, c'est lui qui est important, qui est plus important, qui fait que nous sommes réunis là. Regardez ça, et puis, ça n'a pas dit, regardez. Have you discovered the transformative power of worship? Join renowned author and minister Rigaud des Sources as he takes you on an enlightening exploration in his captivating book, The Art of Worship. Worship is more than a ritual. It's a sacred journey that connects us to the divine. With expressiveness and depth, des Sources defines worship, exploring its diverse forms and revealing the boundless ways to express reverence for God. Drawing from personal experiences and rich biblical references, he uncovers the true meaning of worship and its profound impact on individuals and communities. The Art of Worship is not just a manual, it's a transformative journey beyond theory. Cultivate a lifestyle of worship with step-by-step approaches to honor God authentically. Immerse yourself in the heartfelt devotion and wisdom of the Art of Worship. Unleash the transformative power of worship in your own life. Voilà, The Art of Worship. Ça, c'est un livre qui est écrit par notre serviteur Rigaud des Sources. Et le livre, ça, c'est samedi 2 mars, là, ça veut dire, et à l'heure comme ça. Et que la fait première vente signature, alors événement, et premier événement officiel vente signature, livre ça, The Art of Worship, l'art d'adorer. Donc, c'est une première fois que nous gagnons, c'est la première fois que nous gagnons un artiste, un adorateur qui écrit un livre. Nous, la dernière fois et que nous étions là, dans le mois passé, nous avons gagné le pasteur Emmanuel. Emmanuel Paul, qui c'est petit frère et pasteur Gadel Paul, qui l'église dit dans Saint-Domingue qui a très ici, et que il écrit un livre aussi, et un livre que nous te présentons dernière fois, et que en pile là nous avons acheté, nous avons ce Evic Samali même qui prend pas double, qui prend deux, puis la croix, il prend pas qu'à côté comme elle prend, donc c'est l'efficacité de la prière. Et vous entendez qui, Jean, que et serviteur là a parlé en parlant de Rigaud des Sources, il a parlé de l'importance de la prière. Donc, livre ça qui est toujours disponible si vous besoin, ou qu'à toujours contacter téléphone, ça, ouais, 203-892-9237, ça qui a passé là, ou qu'à contacter nous, et puis nous-mêmes, nous avons fait une copie, parce qu'on est bien répondu. Je dis à là, c'est pour un pasteur, et c'est un artiste, adorateur. Et qui écrit un livre, c'est pour bagarre que nous venons souvent dans le secteur évangélique haïtien. Alors, et pour pasteur et pour artiste, encore moins pour artiste. Donc, vraiment, c'est une grosse bénédiction que nous avons gagné avec nous. Ce serviteur, cet artiste, cet adorateur, et maintenant, Eric Kounala, qui officiellement cet écrivain. Il y a une monde qui me connaît par mais. Et reste concrète dans Shoah, c'est Jasmine Gaëtan, puisque c'est une amoune qui fait partie de l'équipe d'édition. C'est une éditrice liée, qui était partie de maison d'édition, Ottawa, Canada, etc. Et c'est une amoune même qui fait un défenseur, et même linguistique, au bord de l'Académie française, pour ces deux œuvres. Nazareth, là, elle est venue écrire avec sur des mots. Qui c'est des tibobismes. Donc, ils sont gens qui remettent bagay ça, ils me croient que les soirées, ils parlent vraiment et apprécient. Le grand Rigaud des Sources, et qui ça en premier qui porte juste pour écrire un livre? Qu'est-ce que ça livre là?
mais pour écrire un livre. Parce que ce n'est pas un bagage qui de mise, même qu'on y a là. Et monde plus tendé, c'est plus l'audiovisuel. Et monde pas remé li. N'a pas même demandé, c'est monde qu'on lit encore. Parce que depuis mon appli, une page, il n'y a pas qu'à une page. Depuis sous deux bagages, il est en changé. Et c'est flip, mon nom, c'est flip, passé. Donc, et qui ça qui ou même, qui ça qui a tête ou? À partir de qui l'on a dit, on se dit, ok, on peut aller écrire un livre dans une génération comme ça. Et merci pour la question. Jean Dia, moi, c'est un adorateur qui fait un peu d'expérience. Il a pas adoré un bon bout de temps et qui m'a dit qu'il est très présent dans le milieu d'adoration. Et côté que parfois, il y a des dimanches, moi qu'on adore même dans 3 ou 4 services par dimanche. Et il a invité dans des semaines de réveil pour m'adorer. Et puis en pile l'église pour les dimanches, carrément qu'il m'adore pour eux. Mais côté à partir de qui l'idée ça sorti, c'était en 2019, pour la première fois que j'étais un ami, un pasteur en l'église qui était invité dans New Jersey pour moi être capable de faire une conférence, un workshop sur adoration, sur worship, sur praise and worship. Sur les rivets, pasteur Bob, sur mon côté vraiment, vraiment satisfait, vraiment content parce que chaque bagage a un principe, chaque bagage a un jargon. Et si un docteur a parlé là, il y a un mot qui ne doit pas comprendre. Mais on qui docteur dans le domaine dans tout depuis il parlait tout docteur a comprendre d'accord avec moi amen il y a mon monde qui est avocat il y a des termes il doit dire là il y a des termes il doit pas vite comprendre mais un avocat il y a des termes qu'il employé tout de suite avocat doit comprendre et puis chaque bagage ça il y a des principes il y a des bagages où doit faire il y a bagages où pas doit faire il y a bagages qui admissible il y a bagages qui pas admissible sont arrivé New Jersey en 2019 nous t'ai fait conférence à sous adoration côté que moun yo était vraiment content et moun yo était vraiment satisfait et gen tout moun qui dirigeait était prestime était en pile moun l'église là qui était venu de ça ou qu'on a parfois gon pas comme c'est ça qu'on nous un message à prêcher et puis pendant message à prêcher ouais moun a fait bas en bas et comme si des bagages ont envie de dire ou pas dire et puis on a moun qui a dit yes a fait bas so en pile moun t'a fait bas pas comme si dans ça m'a dit yo et gen bagages tant coup ndi gen bagay on backup gen bagay on pa ka fè ou pa ka backup pou fè variation ou ap varye ou ni a mwen pa konti nan prestim nete kon gen moun ki ap fè sa gen moun ki moun yo te vraiment excité yo te vraiment content pou moment sa et puis ça te rete là pou konpase a live toujours et puis pour deuxième fois moi te invité Maryland pou te parler pour sou adoration pendant 3 jours premier jour nou te parler de adoration te adoré deuxième jour nou te fè yon workshop sou adoration puis nan dimanche matin te prêcher sous adoration et puis après workshop là dans samedi tout monde te gon satisfaction également et gon c'est des jeunes là te gon pile monde te satisfait de ça que fait là et puis